On dit bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, déjà bienvenue. Je suis en ici là. C'était pas mes fois. Tombé sur le ça, non, pas besoin de décider de faire ça. Ou tomber sur le channel map là. C'est sur le ça, nous fait tout partage. Encouragez-nous avec un like. Partagez la vidéo là, pour plus de monde comme vous. Je vais terminer avec un autre exercice pour vous encore. Il y a un exercice sur le logarithme. Nous avons 5 logarithmes. Nous avons logarithme de x plus 1 à base de 5. Plus logarithme de x moins 3 à base de 5 égale à 1. Premier, ça nous est là, c'est plus. Nous te connaît. Attention. Nous te connaît. Depuis nous, yon somme logarithme, li a transformé en produit. Ça veut dire ça présenté sous qui forme. C'est logarithme. Pour c'est de ça, moun ki pourquoi vous savez, nous regardons les vidéos qui en avant. Logarithme à base de A, B, plus logarithme à base de A, C. Qu'est-ce que ça nous dit bon nous? Il dit bon nous, c'est logarithme à base de A, et puis B, C. Ouais. On considère, yon nan base yo, et multiplier B par C. B, C. C'est ça le débat moi. L'emte qui forme ça, tout l'emte qui produit logarithme, il a transformé en somme comme ça. L'emte qui logarithme qui sont somme, il a transformé en produit. Ou voyez même forme ça m'a là? Basio, A, qui représente pas 5, mais B, ouais, tout ça c'est B, et puis mais C. Quand y a là, nous qui forme ça, nous pouvons l'écrire en forme ça. Ça veut dire nous qui forme ça là, nous pouvons l'écrire en forme produit. On va aller. Nous disons logarithme. On va aller. Nous disons logarithme. Ça va commencer. Logarithme en base de 5. Ouais. Logarithme en base de 5. Là, nous pouvons l'écrire sous forme produit. Plus 1. Et ensemble, nous avons écrit le cognac. Il était forme ça. Nous avons écrit sous forme ça. Mettez à ça. C'est base de 5. Facteur de x moins, moins 3. Tout le monde. Nous avons transformé en produit. Tout ça égale à 1. On a logarithme à base de 5. Là, nous avons produit des facteurs. Produit des facteurs. Premier à multiplier par premier ça. Premier ça, comme multiplier par deuxième ça. On a allé. On dit facteur de x par x. X carré. X par moins 3. Moins 3x. Et puis, qui ça pour moi? Deuxième ça multiplie par premier ça. Deuxième ça multiplie par deuxième ça encore. On dit c'est plus, par plus, ça bon plus, x par 1, bon, plus x, 1 par moins 3, ça bon moins 3. Égal à 1. On a logarithme à base de 5, parce que nous, là, nous avons x, nous avons réduire. Ça bon moins, c'est x carré, moins 3 plus x, ça bon moins 2x, moins 3, est égal à 1. Qu'on y a là, qui ça nous a fait là? C'est procédé pour qu'on est. Procédé pour qu'on est. Non, t'es qu'on est. Là, nous avons un local qui peut être forme ça avec un nombre exact qui est égal à un constant. C'est-à-dire que le logarithme présenté sous forme logarithme à base de A, B égale à C. Ou forme non? Mais A qui c'est 5, mais B qui c'est tout ça, égale à C qui c'est yon nombre ou yon chiffre, yon constant. Kabab égal, nous disons logarithme à base de A, B égale à C, si et seulement si B est égal à A exposant C. C'est pas moi qui fais. C'est procéder ça, vous connaissez. C'est-à-dire que l'homme qui logarithme qui écrit, écrit sous forme ça, béni. L'écrit sous forme ça, li capable, ma mettre ça plus clair. L'écrit sous forme ça, li capable d'écrire, écrit sous forme ça, même de faire ça à l'air. Mais on n'a pas écrit sous forme ça. N'a pas écrit sous forme ça, vous voyez. Nous dit,
B, qu'est-ce qui B? C'est tout ça? Tout ça, c'est B? Et bien, allez. Nous disons, X carré moins 2X moins 3 égale à A exposant C. Qui est-ce qui A? A, c'est base là. Base là, qui c'est 5. Qui est-ce qui c'est? C'est D égalité A. Exposant C. Mais c'est ça, c'est D égale là. Exposant C, c'est 1. N'a pas fini pour nous montrer un balai? On a ici x carré moins 2x moins 3, c'est quelque chose dans 1, ça va moins 5. Ouais, c'est quelque chose qui va moins 5. On a dit, on a x carré moins 2x moins 3, nous faisons 5 ça vini, moins 5 parce que nous avons une équation du second degré. Équation du second degré qui a pour forme AX carré plus BX plus C égale à 0. C'est peut-être ça que nous faisons ça venir dedans là. Mais nous continuons. Nous disons X carré moins 2X moins 3 moins 5, ça va moins 8. Moins 8 égale à 0. On a une équation second degré. Nous avons maintenant, nous sommes capables de résoudre l'équation second degré, nous sommes capables de passer par la méthode de delta, nous sommes capables de passer par la méthode de factorisation. Là, nous sommes capables de passer par la méthode de factorisation. Pour nous factoriser, mais ça nous fait. Nous mettons un premier facteur. Nous mettons un deuxième facteur et nous disons égal à 0. OK. Puisque x par x, qui est ça qui x, c'est x par x, c'est x. X carré. Pour mettre x, on met x là. Non, pas l'autre. Quand on va chercher, deux chiffres ou bien deux noms, par contre, c'est bien. Les mots multipliés, cap ban moins 8. Les additionnés, cap ban moins 10. Ça, c'est un calcul pour faire. Les multipliés, cap ban moins 8. Les additionnés, cap ban moins 10. Qui est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, vous avez dit, pour moi-même, moi, c'est moins. Vous avez dit, ma prend moins 4. Et puis, D. Pour qui ça? L'homme dit, 4 par moins, moins 4 par D, bon, moins 8. L'homme dit, l'homme additionné, on dit, moins 4 plus D, bon, moins D. Tout le monde, oui. Si on ne parle pas avec vous, vous passez par delta, tout le monde passer. Mais ça veut dire, m'a dit, D, on pense, moins 4, et puis, plus D. Lorsqu'on a A, B, égale 0, cela suffit que A égale à 0 et puis B égale 0. En avant, c'est-à-dire que c'est X moins 4 égale 0, cela entraîne que X égale 4. Deuxième facteur, X plus D égale 0, X égale moins D. Là, nous avons deux solutions. Nous avons X égale à moins 4. Nous avons x égale à moins d. Normalement, nous tout éliminer ça, ça va solution l'équation. Pour qui ça? Logarithme des nombres négatifs n'existe pas. Depuis que tu as vu un chiffre ou bien négatif, nous tout n'est pas solution l'équation. Et bien, nous considérer ça qui solution l'équation. Nous allons vérifier ou mettre venir remplacer 4 là. Dans tout ça, on va avoir 1 égale à 1. D'accord? Si vous avez une question, vous pouvez quitter dans les commentaires. Nous vous remercions parce que vous avez absolument. Non, pas de destinée française. Nous vous croisons pour une autre vidéo.